Jade, il y a 14 ans, tu as poussé la porte d'un club de judo, notre club, dans le but de pratiquer notre art martial. Et enfin, aujourd'hui, Jade, grâce à ton travail, ton encouragement et ta ténacité, tu as obtenu ce grade tant désiré, la ceinture noire. Si la ceinture noire te confère un prestige certain, elle te donne en même temps la responsabilité d'être un exemple. Tiens ce qui suit. La ceinture noire n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une étape, une première marche. Ton aventure judo ne s'arrête pas là, d'autres marches sont encore à gravir. Bon courage et prends du plaisir dans la suite de cette aventure. Encore félicitations. Jade, c'est lors d'un hiver très rigoureux que le jeune Jigoro Kano découvrit les principes du judo. Zeryuku Zenyo, signifiant littéralement utilisation habile et bonne de l'énergie. Jade, cette force, tu l'as ancrée en toi. Tu nous l'as prouvé. Tu es comme cette branche qui pliera sous le poids de la difficulté, mais qui ne rompra pas. Mais si un jour, le poids de la neige est trop lourd à porter, garde à l'esprit qu'il y a toute une multitude de branches autour de toi, même des vieilles branches. Jade, cette ceinture noire nous honore car tu représentes toutes les valeurs du judo et véhicules chaque facette de notre code moral. Et puisque la sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée et sans évidemment négliger tous nos partenaires de club, je peux dire, Jade, que tu auras été notre coup de cœur de la saison. Félicitations, Jade. Je tiens à vous remercier d'être là pour moi, que ce soit aujourd'hui en cette remise de ceinture, mais également au quotidien. Grâce à vous, je peux dire maintenant que je suis ceinture noire. J'ai le sentiment depuis petite que la ceinture est un rêve inatteignable. Mais voilà, aujourd'hui, je me prouve qu'avec un peu de volonté, on peut y arriver. Je tiens à remercier mes partenaires qui m'ont aidé à évoluer, mais aussi à toutes les personnes qui, pendant les cours, m'ont aidé. Merci à Philippe qui, depuis le début, croit en nous tous. Pour ma part, la ceinture noire m'évoque le début d'un nouveau chapitre. Alors je vous remercie tous de m'avoir permis d'évoluer et de continuer à m'améliorer dans ce sport. Voilà.